L'info trafiquée de Yann Lambiel. Harry Potter pourrait devenir une série. Ouais, chouette, je vais postuler. Christian Levrin, vous voulez jouer dans Harry Potter? Ouais, mais tu sais, on m'a toujours dit que je ressemblais à Harry Potter vieux. Je pourrais le jouer à l'âge adulte, toi. Mais bon, c'est vrai que contrairement à Harry, en tant que président du Parti Socialiste Suisse, moi, j'ai jamais réussi à faire des miracles. Mais là, c'est de la télé, il y aura des trucages. En manque de lieux pour faire la fête, les jeunes investissent de plus en plus les trains. Bonjour Madame Honegger, Régis Laspalès, porte-parole des CFF. C'est pas notre faute et tout et tout. Il y a une ambiance dans ce train. Ils viennent de passer les démons de minuit et le jerk. C'est la grosse bamboula. Attendez une minute, Madame Honegger. Et c'est la fête, fête dans le Lausanne, Neuchâtel, Vienne. C'est parti pour un medley des années 80. On fait chauffer les couloirs. Excusez-moi, Madame Honegger, fallait que je fasse partir le medley années 80. Non, mais ça va complètement à l'encontre des règles de sécurité, enfin. Mais non, on est dans un train, on a le droit d'être serré, c'est pas une discothèque. Allez, attendez un instant. Nous vous rappelons que vous pouvez commander des pizzas et des hamburgers à l'emporter. Des serveurs vont passer parmi vous. Non, mais vous avez pas le droit de nous servir à manger. Ben si, c'est à l'emporter. On a un wagon McDo, un autre Pizza Hut. C'est à l'emporter, tu changes de wagon, t'as le droit. Du grand n'importe quoi. Vous laissez des wagons première classe vides et vous faites disco dans les autres. Ah non, on a transformé les wagons première classe en casino à l'emporter. Pardon? Oui, tant que t'es debout, t'as le droit de jouer. Mais c'est complètement incohérent. Ben oui, c'est le Covid. Et c'est parti pour la chenille à 1m50 de distance. On part du fond du train et on revient à la loco-coco, à la locomotive, postée de pied en canard. C'est la chenille qui redémarre. Ouais. Salve, come stai, mi chiama Robert. Non mais monsieur Kramer, qu'est-ce que vous faites? J'apprends l'italien. Mais pourquoi? Parce qu'en Italie, ils ont réouvert les restaurants et les bars. Il faut que je sois prêt. Vorrei un entrecôté, un bicchiere di vino bianco, per favor. Le vaccin russe Sputnik 5 serait efficace à plus de 90%, Vladimir Poutine. D'accord. Nous avoir fait test sur cobaye et maintenant eux plus avoir tentacules poussés sous les bras et eux plus mourir en devenant tout bleu avec l'air fluorescent qui sort de la bouche. Non mais c'est dégoûtant! Oui, ça rien à côté de odeur quand les yeux explosaient. Mais ça a été problème avec Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4. Mais maintenant, Sputnik 5 est fiable. Mais vous êtes certain? Oui, Sputnik 5 est tellement fiable que moi, avoir vacciné personnellement Alexei Navalny. Oh mon Dieu! Bonjour Madame Honegger, Régis Laspalès, porte-parole des CFF. Eh ben, je vois que c'est toujours la fête dans ces trains. Ben après là, les annonces de Berset d'hier, on a encore plus de monde. Attendez un instant, excusez-moi. Et c'est parti pour le Happy Hour, les Village People à Paris Bonniem, avant de retrouver Capitaine Flamme. Excusez-moi Madame Honegger, je devais lancer le medley disco. Oui, donc, alors, je disais, quelles sont les causes de ces retards d'hier? Mais c'est parce que les plombs ont sauté à la main. Excusez-moi deux secondes. Attention, après Bézu et la queue-le-le, il y aura la série des slows avec la boum, Nothing comparse de U de Cinéade O'Connor. Monsieur Lasmanès, vous nous disiez, il y a eu un problème électrique à Alamant. Ouais, les plombs ont sauté quand j'ai voulu lancer le medley Claude François.